On va résumer maintenant le chapitre 11 de Sobibor de Jean Mola. C'est encore un chapitre très long, je vais essayer d'en faire un résumé succinct avec l'essentiel. C'est aussi un chapitre très émouvant, très bouleversant. On attaque le résumé. C'est toujours le petit agenda, là, le journal intime de Jacques Desroches, le 21 juillet 1942. Ça sent très mauvais dans le camp parce que maintenant ils ont beaucoup de trains qui arrivent, ils tuent beaucoup de gens, ils les enterrent et les corps en décomposition sentent mauvais. Jacques écrit, il aurait compris que Anna soit dégoûtée, qu'elle dise qu'elle a peur, etc. Mais elle ne dit rien, elle reste silencieuse. 23 juillet 1942. Comme la décomposition des corps posait vraiment des problèmes, ça commençait à sentir mauvais, les voisins pouvaient se plaindre. Ils avaient peur aussi que ça contamine la nappe phréatique et l'eau qui est puisée. Les officiers ont rapporté ça au chef qui s'est fâché, qui a dit « il faut pas enterrer les corps, il faut les brûler ». Donc ils se sont mis à faire des tas avec un petit peu d'humain et un petit peu de bois. Et donc ils déterraient les corps, ils ont dit qu'ils ont dû abattre plusieurs ouvriers juifs pour qu'ils acceptent de faire ce travail. Et après, ils les font brûler. Le 25 juillet, c'est toujours le témoignage de Jacques Desroches, hein, il faut bien s'en rappeler. Il décrit un petit peu tout ça, comme si c'était poétique, comme si les cendres qui s'envolent, des corps complètement exterminés, détruits, ça avait quelque chose d'un petit peu poétique. Il raconte que le brasier ne s'éteint plus jamais et que la chaleur est infernale, que la nuit, des fois, il se lève et il va regarder les flammes. Et il n'est pas le seul parce qu'il dit qu'ils sont plusieurs de temps en temps à se croiser la nuit, qui vont voir cet énorme brasier. La dernière phrase du témoignage de ce jour, c'est « Jamais je n'aurais osé imaginer » que la haine pour un peuple pourrait être portée à un tel degré d'incandescence. Ensuite, le 28 juillet, Jacques nous dit que Anna lui a rapporté que les Polonais disent si elle n'était pas mariée avec lui, enfin en tout cas s'ils ne vivaient pas ensemble, si Anna ne s'était pas mise en couple avec Jacques, elle aurait sûrement été exterminée. Et il s'inquiète un peu pour elle parce qu'il dit qu'elle est quand même un témoin gênant, mais il est en même temps content de se dire que c'est grâce à son amour qu'elle est en vie. Et en parlant de témoins gênants, il dit qu'il y a son journal qui est aussi quelque chose de très dangereux parce qu'ils n'ont pas le droit de raconter ce qu'ils font. Et lui continue à l'écrire parce qu'il dit qu'il a besoin pour continuer à réfléchir, à penser. Visiblement, il ne réfléchit pas si bien que ça, mais passons. Il faut qu'il le fasse dans sa langue maternelle, c'est-à-dire le français. Ensuite, le 8 août 1942. Je résume hein, parce que c'est vraiment long. Les chefs lui demandent d'accroître la capacité d'extermination des juifs qui arrivent dans le camp. Donc il part pour aller observer dans d'autres camps et il revient le 26 août 42. Il commence par dire qu'il a retrouvé Anna avec un bonheur sans pareil et ensuite il parle de trucs techniques, par exemple la construction des nouvelles chambres à gaz. Et il dit encore que les Ukrainiens, pour faire travailler les prisonniers juifs, ils les frappent et ils les tuent de temps en temps juste pour l'exemple. Et il continue à dire qu'il ne s'y fait pas à la brutalité des Ukrainiens, qu'il est dégoûté par la violence directe. Ensuite, le 2 septembre 1942, il dit que la cadence s'accélère toujours, il y a 20 trains de 60 wagons qui arrivent par mois. Le 4 septembre, il est tout content parce qu'il croit que l'armée nazie est en train de gagner sur le front de l'Est, c'est-à-dire face à la Russie. Le 20 septembre, il dit que maintenant, ils ont terminé les dernières cabines et ils peuvent tuer 1200 personnes à la fois. En plus, ils ont mis des petites rails qui vont directement des chambres à gaz au grand feu où ils brûlent les gens, donc ils gagnent du temps, ils mettent tout le monde sur des wagons. Ça paraît un peu cynique, hein, dit comme ça et à toute vitesse, mais c'est vraiment le ressenti qu'on a quand on lit ce livre, parce qu'on a le point de vue de Jacques Desroches, qui semble être vraiment insensible à tout et qui raconte tout ça. Un petit bémol quand même, il n'aime pas la violence directe. Le 11 octobre, il dit que tout va bien, le camp marche à merveille, ils ont plein de monde qui arrive, et entre autres beaucoup de juifs de la région de Lublin, qui d'après lui étaient complètement parasités par les juifs. Le 22 octobre 1942. Donc Jacques Desroches parle des convois qui arrivent de façon super méprisante. Il dit « ils sortent, ils sont terriblement sales, épuisés, ils ne se révoltent pas, ils se laissent amener pour se faire exécuter. » Comme si sérieusement ils ne se doutaient pas qu'ils allaient être tués. C'est un peuple qui n'a pas de dignité, comment est-ce qu'on pourrait les respecter alors qu'ils sont aussi pitoyables? Sauf, il dit, une fois, un jour, il est tombé sur un homme qui était un vieux monsieur d'au moins 70 ans, qui lui avait l'air de ne pas croire tous les mensonges qui disaient « c'est bon, maintenant on va vous doucher » et tout, comme ils nous ont expliqué dans les chapitres précédents. Et il regardait, il fixait des yeux Jacques Desroches, il lui a dit un mot qui ressemblait à « Zach Or ». Puis il a suivi les autres pour aller se faire exécuter. Jacques Desroches termine en faisant une citation latine en disant « Pulvis es ».
trois petits points, ce qui veut dire tu es poussière, et donc on devine la suite de la situation, c'est qu'on retourne à la poussière. Ensuite, le récit est interrompu pendant 6 mois. Emma dit qu'il manque des pages, mais pas assez pour couvrir 6 mois, donc il a arrêté d'écrire pendant quelques temps et il y a quelques pages qui ont été arrachées. Donc le 26 avril, il y a des populations qui viennent de toute l'Europe. Il dit, oh, c'est dingue, il y avait vraiment des juifs partout. Et surtout, il y en a qui arrivent de France. Et du coup, il entend parler français, ça le rend un peu nostalgique. Ensuite, il y a encore une dizaine de pages arrachées. Et là, il y a un gros bond dans le temps. On se retrouve le 30 mai. Et il dit que l'état de Anna s'améliore de jour en jour. Elle a failli mourir à la suite d'un accident. En fait, elle a perdu un bébé qu'elle attendait. Après, elle a fait une infection, elle a failli mourir, mais il y a un médecin qui est venu de Lublin et qui lui a sauvé la vie. Et il dit qu'il culpabilise énormément parce que c'est lui qui est responsable de l'état de Anna, de la mort de son fils. Il dit de la mort de celui qui aurait été son fils. Et il dit qu'il a terriblement peur qu'elle le haïsse et qu'elle ne veuille plus de lui. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle est tombée enceinte. Donc lui, il lui a dit, bah écoute, faut te faire avorter, hein, vu ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est pas des circonstances pour avoir un enfant. Conrad a dit aussi à Jacques Desroches qu'il fallait que sa femme se fasse avorter, mais Anna voulait absolument garder le bébé. Donc il a fini par s'y faire, elle a gardé le bébé, et un jour où il se promenait avec Conrad, Conrad lui a dit, est-ce que toi, t'es capable de tuer les Juifs? Et Jacques Desroches, il lui dit, est-ce que tu veux dire, est-ce que je suis capable d'en tuer personnellement? Il dit, oh ben non, ça d'en tuer personnellement, je sais que t'en es capable, vu que t'en as déjà tué des milliers. Déjà, ça lui fait un peu un choc, parce qu'il considérait qu'il était un rouage, mais il considérait pas vraiment que c'était lui qui tuait les gens. Mais il veut dire, est-ce que t'es capable de les tuer de tes propres mains? Et là, il parle d'une section, dont j'ai oublié le nom, qui exécute des juifs dans des circonstances absolument horribles. Et Conrad dit qu'il y a déjà participé, et il demande à Jacques Desroches s'il serait capable de le faire lui aussi. Lui, on sait depuis le début de ses témoignages qu'il n'est pas très à l'aise avec tout ce qui est la violence physique. Et il se demande si c'est pas une sorte de mise à l'épreuve, si Conrad lui demande pas ça un petit peu pour tester ses capacités. Et en même temps, il lui propose un poste un peu plus important. Et ils terminent leur conversation comme ça. Toute la nuit, Jacques Desroches endort mal. Et puis, le 21 mai, il y a des Juifs qui arrivent de Hollande. Et c'est un petit peu le cirque, les gens ne sont pas très disciplinés, les Ukrainiens, comme toujours, crient dessus, sur eux et les tapent. Et d'habitude, ils laissent les enfants avec leur mère, et il dit là, pour une raison qui m'échappe, on avait séparé les enfants et les mères. Et il y avait un tout petit qui hurlait, et sa mère criait aussi, et c'était impossible de les séparer. Et il dit, du coup, il a pris son pistolet, parce qu'il a vu que c'était le moment où il devait faire ses preuves, il a abattu le petit enfant, et après la femme, elle a arrêté de parler tellement elle était choquée, et il a abattu la femme aussi. Il a regardé Conrad qui était à côté d'un air satisfait, mais Conrad il est resté scotché, il lui a pas dit ni bravo ni rien du tout, alors que Jacques Desroches il était content, il dit qu'il l'avait fait sans haine et sans plaisir, qu'il l'avait fait simplement parce qu'il fallait le faire, et du coup il était assez satisfait du rendu, et Conrad il est choqué et il regarde au loin. Alors Jacques Desroches il se retourne pour regarder ce que regarde Conrad, et en fait il y a Anna qui était là et qui l'a vu abattre l'enfant et la mère. Et là, Anna, elle s'écroule par terre, elle convulse, elle est complètement choquée. Donc, il y a une infirmière qui la reconduit chez elle. Elle fait une vraie crise et en plein milieu de la nuit, elle retourne chercher le cadavre de la mère et de l'enfant. Elle récupère le sac de la femme, elle veut tout savoir sur elle. Elle apprend que le papa du bébé est mort dans le train et elle est complètement traumatisée. Donc finalement, elle reste quand même habitée avec Jacques Desroches, elle n'a pas trop le choix, et elle perd un peu la tête, elle se balance d'avant en arrière, elle ne mange plus, là ça nous fait penser à l'anorexie de Emma, et elle est complètement comme devenue folle, et Jacques Desroches se dit qu'il est très inquiet pour sa santé mentale, il croit qu'elle est complètement perdue. Le 4 juin, il dit que ça ne s'arrange pas, qu'il ose à peine la regarder dans les yeux, que très souvent elle ne veut plus manger. Et il termine en disant « Pourquoi a-t-il fallu qu'elle soit là, ce maudit jour? Tout serait tellement plus simple aujourd'hui. » Après, le journal est terminé. Il y a une phrase qui est écrite de la main de Mamouchka, parce qu'elle reconnaît l'écriture, où il est noté « Jacques Desroches est parti se battre sur le front russe et il est mort le 3 juillet 1943. » Et c'est la fin du résumé du chapitre 11.